Je suis très honoré de prendre la parole devant vous dans le cadre de la première Assemblée régionale pour cette nouvelle année 2024. C'est aujourd'hui pour moi un grand plaisir et un privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Le temps passe vite, voilà que nous sommes déjà ensemble pour le début de notre troisième année de mandat de 5 ans ensemble. J'espère bien que dans le cadre de nos brèves interventions, nous aurons le temps d'échanger et de partager des réalisations, nos difficultés. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette première assemblée 2024 du Conseil régional. Nous avons un ordre du jour chargé aujourd'hui avec un point crucial qui nécessite notre attention collective. Avant de plonger dans les points de l'ordre du jour, je souhaite rappeler l'importance fondamentale de notre rôle en tant qu'élus au service de la région et de ses habitants. Nous portons sur nos épaules la responsabilité de façonner l'avenir de nos communautés. Chaque décision que nous prenons, chaque politique que nous élaborons a des répercussions directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est une charge significative, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de faire une réelle différence. Le premier point à l'ordre du jour concerne l'adoption du budget pour l'année 2024. Je suis juste convaincu, grâce à notre engagement et à notre collaboration, nous pourrons élaborer un budget solide qui répondra aux besoins de notre communauté. Ensuite, nous examinerons l'état d'avancement des projets en cours. Notre objectif est de garantir que chaque projet contribue de manière significative au développement de notre région. Nous aurons également un compte rendu du rapport des missions à l'étranger par nos collègues élus. Travaillons pour faire de cette année une période de progrès, de réussite pour notre région. Je déclare ouvert la première assemblée de l'année 2024. Merci.